Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va continuer dans la série des vidéos à propos des visas ici en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai commencé à faire une première vidéo où je parlais justement de mon arrivée ici en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé du coup avec un Working Holiday Visa, un permis vacances-travail pour nous les Français. Donc du coup j'ai présenté ça en vidéo. Ensuite j'ai présenté le visa que j'ai enchaîné après ça, qui est un visa travail, Work Visa en anglais, que j'ai également du coup présenté en vidéo. Ensuite, j'ai enchaîné avec un partnership visa que, pareil, j'ai présenté également en vidéo. Et du coup, maintenant, on va continuer justement sur les vidéos du visa. Et aujourd'hui, on va parler du visa résident. Car en effet, voilà, ça fait plus de un an que je suis maintenant résident ici en Nouvelle-Zélande. Ça fait déjà plus de 6 ans que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Mais ça fait seulement un an que je suis résident. Et j'espère qu'en début d'année prochaine, je serai résident permanent. Donc aujourd'hui, on va parler du visa résident. En revanche, on va plus parler de mon expérience d'une manière générale, car en effet le visa a changé depuis. C'est à peu près la même chose, mais il a légèrement changé. D'ailleurs, le nom, je crois qu'il est un petit peu différent. Mais bon, en gros, on a eu le visa résident qui a duré jusqu'à environ Covid, et tous ceux qui étaient ici en Nouvelle-Zélande avant Covid ont eu du coup le visa plus facilement. Nous, malgré tout, on a quand même eu toutes les conditions voilà, pour avoir ce visa là. Du coup, ensuite, après Covid, on fait une ouverture très légère pour accepter pratiquement tout le monde pour la residency, et du coup, maintenant tout le monde est devenu à peu près résident. Et pour les nouveaux arrivants, il y a du coup un nouveau visa qui s'est mis en place, qui est à peu près la même chose, mais en revanche, il y a quelques nuances dont je ne suis pas très très sûr. Du coup, on ne parlera pas trop, voilà, vraiment à 100% visa résident. On va seulement parler de mon expérience qui sera, qui est du coup, malgré tout, très proche et très similaire de ce que vous pouvez faire en ce moment pour avoir le visa résident. Donc, très rapidement, on va parler des conditions pour ce visa. Comme vous voyez, j'ai mon téléphone en main, car j'ai pris quelques notes, même si c'est assez générique. Et j'ai également un petit thé, car ici en Nouvelle-Zélande, on arrive très légèrement, très doucement, mais sûrement en hiver. Du coup, il commence un peu à faire froid. On peut voir avec mon petit top, déjà, on est déjà bien, bien couvert. Donc, pour ce visa, pour le visa de la résidence, au début de faire le visa, en gros, faut d'abord remplir un formulaire et qui est du coup une expression d'intérêt. Donc, en gros, pourquoi est-ce que vous voulez venir ici en Nouvelle-Zélande? Et en gros, le formulaire va tout simplement permettre au gouvernement néo-zélandais de savoir si vous avez du coup toutes les conditions requises pour ce visa. Et en gros, le visa de la résidence, ça marche d'après un barème de points. Donc il fallait, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque il fallait 160 points pour passer du coup le visa de la résidence. Et en ayant ces points, en gros il y avait plusieurs conditions, et chaque condition il y avait du coup un barème de points. Donc je sais que c'est un peu voilà flou, mais en gros, par exemple, si vous aviez moins de 30 ans, ça vous rapportait X points. Si vous avez étudié ici en Nouvelle-Zélande, ça vous rapportait X points. Si vous avez X diplômes, ça vous rapportait X points. Et en gros, ça marchait souvent comme ça. En revanche, il y avait quand même des conditions qui était obligatoire pour le barème de points, comme par exemple niveau d'anglais. C'est assez générique dans plein de pays, c'est toujours la même chose. Donc, par exemple, pour la France, si on veut un visa permanent pour la France, ils demandent de voir au moins le niveau B2, je crois, de français. Donc voilà, dans tous les pays c'est pareil, mais en gros ils demandent que vous parliez au moins le minimum de la langue, ce qui est assez générique. Donc pour ici, il y a deux tests. Nous à l'époque on a fait l'Aliest, qui est du coup l'examen de base en anglais, et ils vous demandent d'avoir minimum 6.5 sur 9, donc le maximum est 9, et vous pouvez avoir, voilà, il faut au moins avoir 6.5, et ça résume sur plusieurs critères. Nous avons l'écriture, nous avons la compréhension de texte, et nous avons également l'écoute et la conversation. C'est vraiment des questions assez basiques, mais voilà, qui vous demandent à avoir. Donc ça, c'est une des conditions importantes à avoir. Également, comme j'ai parlé dans les précédentes vidéos, je parle souvent, voilà, des conditions médicales par rapport à la Nouvelle-Zélande. Il faut être en bonne condition pour pouvoir faire une demande de résidence. Encore une fois, assez générique quand on veut s'expatrier à l'étranger, mais du coup, ils vont vous demander de faire, voilà, un petit check médical pour être sûr que tout va bien. Après, pareil, pour faire la résidence, du coup, il faut vivre ici. Du coup, il faudra une preuve d'adresse, tout simplement une facture ou un relevé de compte où il y aura du coup votre adresse et votre nom pour prouver que vous habitez bien ici. Ensuite, évidemment, c'est très très générique, mais il faut également un passeport à jour. Voilà, il faudra toujours faire la demande de passeport à jour. Dans tous les visas en général, il faut toujours avoir ça. Et également la photo, une photo qui va avec. Ils vous demanderont également un casier judiciaire. Encore une fois, assez basique. Et après, le dernier gros critère, en gros, il y a trois conditions. En tout cas, nous, à l'époque, il y avait trois conditions. Donc, l'une des conditions, c'était soit d'avoir un salaire minimum de 27$ de l'heure, qui, je crois, résumait à 50 000$ par an. Quelque chose comme ça. Encore une fois, je suis pas très sûr, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ou alors, il fallait au moins être sur le territoire néo-zélandais depuis au moins 3 ans.
ou alors il fallait pouvoir travailler dans les métiers qui étaient, qui étaient demandés pour réussir en Nouvelle-Zélande. Donc à l'époque, ça résumait par être chef, car moi j'étais cuisinier, du coup c'était parfait, ou travailler dans des secteurs qui sont assez spécifiques. Donc pour nous, on avait du coup les trois conditions, on avait la chance d'avoir les trois conditions, donc c'est-à-dire d'avoir un salaire qui était supérieur à 27$. Ça faisait du coup plus de 3 ans qu'on était ici en Nouvelle-Zélande, et également, vu que j'étais cuisinier, bah du coup je remplissais les trois conditions. Et du coup, quand on résume tout ça mis ensemble, bah voilà, vous avez du coup toutes les conditions pour pouvoir faire votre demande. Donc comme je l'ai dit au début, l'expression d'intérêt, du coup vous allez pouvoir envoyer tout ça, ils vont pouvoir vérifier si oui ou non vous avez rempli les conditions pour pouvoir faire votre visa. Et une fois qu'ils vous ont dit bon bah écoutez c'est bon, vous avez toutes les conditions pour faire votre visa, on pourra du coup vous accepter que vous faites votre demande de visa pour la résidence. Donc à partir de ce moment là, c'est là que vous allez commencer à payer pour votre visa, car pour l'instant c'est gratuit. Pour savoir si oui ou non vous pouvez faire votre résidence ici en Nouvelle-Zélande, c'est gratuit. En revanche, voilà, ils vont vérifier tout à l'avant, savoir si oui ou non vous pouvez faire ce visa là. Et une fois qu'ils vous ont dit bah écoutez c'est bon vous pouvez le faire, bah du coup vous n'aurez plus qu'à payer. En revanche, en termes de prix, c'est assez élevé, car à l'époque c'était 2160$ par personne pour ce visa. Donc pour nous, vu qu'on était en partnership visa, on a dû du coup le faire tous les deux ensemble, donc on a pu faire le visa ensemble, et du coup les frais, et bah c'était le double de ça. Donc je peux dire que ça fait mal au cul quand tu payes pratiquement 4500$ juste pour ton visa. Ça te fait mal, mais bon, hein. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Malheureusement, on choisit pas pour les prix. Et après, en général, l'assistance est pas incroyable, mais elle est toujours présente. Et après, c'est plus l'attente, car nous, ça a été vachement long pour le faire. Donc, quand nous, on a fait notre demande, ça nous a pris, quand on a fait la demande d'intérêt, ça nous a pris 6 mois. Et après, pour avoir le visa de la résidence, vu qu'on l'a fait juste avant que les portes ferment, on a dû attendre 1 an avant d'avoir notre visa résident. Donc, c'était hyper long. Beaucoup de patience. Là, je crois qu'ils ont amélioré, le délai pour la résidence, car avant c'était vraiment un cauchemar. Encore une fois, c'est pas pour les conditions, mais c'est plus pour l'attente d'une manière générale. Ça fait toujours chier, voilà, faut dire ce qu'il faut dire. Mais bon, voilà, c'est quand même arrivé malgré tout. Et après, voilà, c'est tout. Vous avez du coup votre visa résident. Donc voilà, c'est pas incroyable. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire par rapport à ce visa-là, car c'est assez générique. Faut juste remplir les conditions, et après, c'est plus de l'attente, et également envoyer l'argent. Et après, voilà, vous avez du coup votre visa résident. Et ensuite, dès que vous avez ce visa résident, donc en général c'est valable pendant 2 ans, vous pouvez partir du pays pendant 6 mois et revenir sans problème, aucune attache par rapport à votre travail. Donc si vous voulez changer de boulot, ben voilà, il n'y a pas de souci. Et également, le point le plus important, c'est que vous pouvez du coup économiser pour votre Kiwi Saver. Et en gros, Kiwi Saver, c'est un peu le truc que tu économises pour la retraite ici en Nouvelle-Zélande, ou alors pour pouvoir acheter une maison, en tout cas votre première maison ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, donc plusieurs avantages pour être du coup résident. Et après ces 2 ans, vous allez pouvoir être automatiquement passé en visa résident permanent. Et avec ce visa, vous allez pouvoir quitter le pays autant de temps que vous voulez, revenir quand est-ce que vous voulez. Vous êtes vraiment résident permanent ici pour la Nouvelle-Zélande. Et en général, dans pas mal de pays, c'est souvent la même chose. Donc voilà, donc très intéressant. Nous, on espère être résident permanent l'année prochaine, début d'année prochaine, pour pouvoir partir et revenir quand on veut, continuer à économiser pour le Kiwi Saver et donc pour la retraite ici en Nouvelle-Zélande, économiser pour pour les stocks et tout ça, pour la bourse ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, pas mal de choses qui sont assez intéressantes quand on est résident. Donc voilà, donc pour ça que nous, on voulait absolument le faire. Et encore une fois, voilà, on peut partir quand combien de temps, X temps qu'on veut, et on peut venir quand on veut. Donc voilà, très intéressant, c'est un très très long process. Voilà, avec tous les visas mis à bout, ça fera du coup pratiquement 6-7 ans pour avoir du coup l'autorisation d'avoir ce visa résident permanent. Et après, il y a même une autre dernière option que nous, personnellement, on n'est pas trop intéressé, mais c'est d'être citoyen néo-zélandais. Donc là, il faudra du coup encore rester 5 ans en plus pour avoir du coup ce droit-là. Et en gros, l'avantage, en tout cas les avantages pour être citoyen néo-zélandais, du coup, c'est un passeport néo-zélandais qui vous permet ensuite de voyager et de travailler en Australie. Et ensuite, pour pas mal d'étrangers, c'est assez avantageux, car pour nous les Français, ça va, on a un passeport qui est très très fort, on a énormément d'avantages. Les avantages français sont juste incroyables, c'est même les meilleurs, pratiquement les meilleurs au monde. Donc c'est assez fou. Mais pour par contre, pour tous les étrangers, je parle de là des pays d'Afrique, des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine, trucs comme ça, il n'y a pas beaucoup d'avantages, même très peu d'avantages là-bas. Par exemple,
exemple, moi, ma copine qui vient des Philippines, la retraite, tu vois, c'est 200 dollars US par mois, ce qui n'est rien du tout, et c'est à 65, 66 ans. Voilà, c'est vraiment très, très difficile pour elle. Pareil, pour voyager d'un pays à l'autre, c'est assez, assez difficile. Donc, avoir la possibilité de pouvoir venir ici ou dans un autre pays et de bénéficier d'avoir les avantages citoyens, c'est très avantageux. Pareil, pour pouvoir voter pour les décisions de politique, voilà, très intéressant. Donc, malgré tout, ça résume à quand même pas mal d'avantages des citoyens. Pour nous, personnellement, voilà, mon passeport français est tellement fort que j'ai pas besoin d'avoir un nouveau passeport et je suis très content de juste m'arrêter au visa permanent. Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés derrière pour ensuite enchaîner sur la citoyenneté. Donc, bref, comme vous voyez, je peux partir très loin, très très loin là-dessus. C'est une très très longue conversation, mais pour la vidéo. Pour le bien de la vidéo, pour pas qu'elle dure non plus trop longtemps, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça a répondu à pas mal de questions, pas mal d'interrogations par rapport au process des visas. Je sais pas si je ferai vraiment une vidéo sur le visa résident permanent quand je l'aurai d'ici l'année prochaine, début de l'année prochaine, ou sinon je ferai une vidéo mais très très courte pour parler là-dessus. Mais voilà, j'espère que du coup toutes les vidéos par rapport au visa ont été assez informatives. Si vous les avez ratées, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui parlent justement des précédents visas que j'ai fait. Si vous avez des questions, évidemment, laissez-les dans les commentaires. Voilà, je ferai du mieux que possible pour y répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky.